les gars, on s'en va. On a une demi-heure, trois quarts d'heure de marche. Mais bon, tant pis. C'est pas du vent, ça. C'est pas du vent. C'est le pôle Nord. Il fait moins 15. Allez, ok. Bonjour les gars, on est de retour avec Flo. Donc du coup, si vous voyez Flo, c'est que... Projet loup. Ouais, forcément. Ouais. C'est pas un bivouac comme vous avez l'habitude de voir. C'est pas une vidéo projet loup comme vous avez l'habitude de voir aussi. On fait un bivouac pour le projet loup. Donc en gros, dans l'épisode 5, si je dis pas de bêtises, on prépare un affût. C'est l'épisode 5, il me semble. Mm. On va dormir dans l'affût. Donc en gros, on va observer. On a les jumelles, on a la longue vue, etc. Tout le matos qu'il faut pour tourner. On va passer quelques heures donc, à faire de l'observation animalière. Et ensuite, on dormira dans l'affût. Donc, on va poser le camp sous le mélèze qu'on avait commencé à préparer. T'entends? Hop là. Il y a un chevreuil qui gueule. Hop. Ah ouais. Ah, ça commence bien. Juste là. On a un chevreuil qui gueule juste derrière nous. Il se fait discret ce loup, mais on va y arriver. Oui, on va y arriver. Les jumelles, elles sont prêtes à l'emploi. Elles sont posées là, là, paf. Flo, pareil. C'est parti. On vient de s'arrêter juste sur une butte là. L'affût il est juste en dessous. On fait un petit repérage des alentours, voir s'il n'y a pas déjà des animaux pour éviter de les effrayer. Le vent est face à nous, donc tout va bien. Même si ça fait un peu chier, ben, le vent du moment qu'il est face à nous, tant mieux. Comme ça on n'est pas repéré. On a l'avantage. Allez. Allez, on arrive à l'affût, on installe les bâches de camouflage. Et c'est parti, observation. On arrive à l'affût. Voilà notre spot. C'est ce fameux tas de mélèze là. Voilà où on va dormir et passer la fin de journée à observer. Voilà, on est dedans. Allez, on se couvre et on prépare tout ça. Ok, donc là on vient de décaisser l'affût, donc on est sous le mélèze en fait, on veut faire une plateforme pour pouvoir dormir ce soir. Donc on est en train de faire plat, c'est assez facile parce que la terre est assez molle comparée à cet hiver, c'est de la glace. Flo là il est en train de préparer le petit filet là. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on rebranche un petit peu hein? Petit filet de camouflage pour être un peu protégé, comme ça si on fait des mouvements, on ne sera pas perçu par les animaux. Il y a du vent, il fait froid, ça promet. Installation du filet qui va nous permettre de nous protéger. Il est juste là, comme vous voyez, ici on a la longue vue. Donc la longue vue qui va nous permettre de voir à des distances plutôt importantes. Flo c'est le terrasseur. Le pro du terrassement, il nous a fait une terrasse de 20 mètres carrés là, en un quart d'heure. Belle véranda. En fait on va se foutre dans ce caisson là, le caisson que vous voyez là. Eh ben on se gèle les gars. On ne s'attendait pas du tout à ça, du coup on n'a pas forcément pris du matos très chaud. Tout le matos est là. On a les longues vues, les jumelles. Et c'est parti pour 2 heures d'observation dans le vent glacial. Oh, ça souffle, il y a du vent, on est congelé. On n'avait pas forcément prévu. Ça du tout même. Ah non, pas du tout. Ouah.
fait toujours autant de vent, il n'y a plus le soleil, donc il fait encore plus froid. On vient de voir un chamois en contrebas, mais il est vraiment bas. J'ai un 300 mm et c'est trop juste, il est vraiment très loin. Et à part ça, il n'y a pas grand chose. On subit. C'est intenable. On n'est pas du tout équipé pour, on se gèle. Je pense qu'on va crever. On attend que le jour s'en aille, quoi. Et on va falloir prendre une décision parce que c'est vraiment... Si on avait été équipé, qu'on avait prévu, mais c'était pas prévu qu'il y ait du vent à ce point et il fait 24 la journée, on comprend pas. Bref, on va essayer de se réfugier dans une cabane qu'on connaît, qu'on sait qu'il n'y a pas très très loin. Il va falloir marcher forcément, mais bon, à choisir, je pense qu'on préfère marcher une petite demi-heure, trois quarts d'heure, que de se geler et pas dormir la nuit, quoi. Ça va être un calvaire. Bon les gars, on s'en va. C'est pas appréciable du tout. On va aller à la cabane que je vous ai parlé. On a tout rangé, plié les sacs. C'est en mode full survie là. Allez, bon, on s'en va. Le vent est beaucoup trop froid là. On est obligé de quitter l'affût qui est juste là. Bon, du coup, l'affût se finit. Se termine un peu plus tôt que prévu, quoi. Mais là, les gars, c'était vraiment intenable. On est congelé. Et le truc, c'est que dans la cabane où on va, il n'y a pas de poêle. Pas de poêle à bois, hein. On s'est compris. Projet loup, les gars, projet loup. Génial. Oh, gros. Quelle aventure. Franchement. Mais quelle aventure. Un conseil, si vous partez avec un temps venteux comme ça, couvrez-vous bien. Ouais. Petite fourmilière. Elle, elle a pas froid, tu vois. Non. Elle est bien, elle. Putain, c'est dur. Franchement, là on est mieux. Nous voilà redescendus dans la vallée, dans le noir. Je pense que vous devez voir qu'il y a moins de vent. Logique, on n'est plus en plein dans un vallon exposé. Donc là on est dans un trou, donc forcément il y a moins de vent. Putain, je vois plus rien. Du coup, on va pas tarder à arriver à la cabane. Et vivement qu'on se mette au chaud. On n'a toujours pas mangé, c'est 22h. Tout va bien. On n'a pas pris l'apéro aussi. Non. Allez, du coup, on se retrouve à l'intérieur de la petite cabane refuge. Et on va passer au repas. Flo, il a ramené donc petite salade. Ouais, salade de maison, tranquille. Et du coup, pour moi ce soir, j'ai pris le lyophilisé qui font Décathlon en ce moment. C'est Forclaz qui fait ça, c'est plus Aptonia. Enfin, Aptonia en font toujours. Mais Forclaz se sont mis à faire des lyophilisés. L'autre fois, j'ai pu goûter les pâtes bolo. C'est vraiment pas dégueu. Et là, du coup, je vais goûter riz et poulet au curry. Donc, ce petit repas, comme il se doit. Bien le bonjour les gars. 6h, à quelle heure? 6h45 là. C'est 6h45, ça fait un petit moment qu'on est là. Déjà avec le matos de sortie devant la cabane. Tranquille. Bonne nuit. Qu'est-ce que t'as dit? Pas mal, franchement. J'ai eu trop chaud même dans le Vendée, trop chaud. Bon. C'était très mal engagé hier. Avec le vent qu'on s'est tapé, c'était... C'était pas gagné, heureusement qu'il y avait la cabane.
Et du coup, là, ce matin, Flo s'est levé un peu avant moi, il a commencé un peu à jumeler en face. Et moi, je m'occupe de ce côté-là, avec la longue vue. Voilà, on va passer au petit-déj, le soleil. Oui, je dis oui. Donc, impeccable, très très bonne journée qui s'annonce. Franchement, un bon petit retour pour ce matin. On est devant une petite petit troupeau de chamois. Il y en a une petite dizaine. En haut, là-haut, dans la prairie, il y a un beau brocard. On a vu deux tétralyres, deux chamois qui nous sont passés là devant. Ça fait déjà un beau monde, on va dire. Eh ? Content, content. Du coup, on n'est pas venu pour rien, malgré tout. C'est bien, on voit un peu de nature. Et s'il n'y avait pas ce vent, une fois de plus, ça serait une journée presque d'été, je crois. Trop bon. On va passer au petit-déj maintenant. Du coup, moi, ça sera dans la continuité de hier soir. Muesli au choco de Forclaz, en avant, j'ai faim. Là les gars, ouf, Flo il vient d'aller faire caca, il me dit je vais caguer en bas, il revenait pas, je commence à faire mon sac et tout, il revient avec quoi? J'ai bien fait d'aller faire caca, je te le dis moi. Oh les gars, si ça c'est pas de la morille. Bon voilà, ça là, c'est la récompense, bon, on a pas trouvé de loup, mais on a trouvé de la morille. On y retourne? Oui. Comme quoi des fois vous voyez les gars? Juste se dire allez, je vais chier un peu dans la dans la nature et vous pouvez tomber sur des trucs mais. Bon les gars, on s'en va, ça y est. Ouais, on a ramassé 4 morilles encore. On a fait un joli sac. Et du coup, ben on s'en va, c'est l'heure, c'est bientôt midi. On aura bien profité de la matinée. On aura été récompensé de notre affût foireux d'hier. On aura vu un peu des animaux pour vous faire un peu partager un bon moment de nature. Donc écoutez, fin d'épisode. Toujours pas de loup, mais bon, ça fait partie un peu du jeu. C'est ce qui met un peu de piment à chaque épisode que je vous partage. J'espère que ça vous plaît, hein, que le thème un peu de cette série vous passionne, vous intéresse, même si vous n'êtes pas forcément branché rando et que la chaîne est à la base une chaîne spécialisée rando, trekking, montagne en général, ben, que ce côté animalier vous plaît aussi, ce serait cool. Pour ce qui est des paysages et du lieu, je pense que vous avez un peu remarqué, je ne vous ai pas montré trop de décors. Des plans plutôt axés au sol, etc. Pour garder quand même un peu secret l'endroit où nous sommes. Il y aura forcément des gens qui reconnaîtront, des gens du coin, etc. Ça c'est normal. Mais voilà, c'est pour les autres, comme ça. On préserve. Sur ce, je vous dis... A bientôt, pas trop de folie comme d'habitude les gars, vous faites pas mal, ça serait bête, que Dieu vous l'agrandisse, la vie, bien sûr, merci, au revoir.